Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, et ravi d'être à vos côtés. Et dans ce match, nous retrouvons l'Olympique Lyonnais face au Stade de Reims. Alors un joueur qu'on va suivre de près aujourd'hui, c'est l'international néerlandais Memphis Depay. Ouais, il s'est planté à Manchester. Ça va un peu mieux à Lyon, mais enfin c'est quand même pas le joueur le plus régulier du monde. Hein. Je vous laisse découvrir la composition de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Voici les joueurs qu'a retenu l'entraîneur du Stade de Reims pour cette rencontre. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. C'est parti, le coup d'envoi donné par l'OL. Nabil Fekir, Bertrand Traoré. Oh, il va plus. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Traoré. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Fekir, Fekir. Oh là, Memphis Depay. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ah, elle est belle cette action, Pierre, elle me plaît. Oui, tout part du centre, mais que dire de cette tête, hein. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Les Lyonnais qui mènent. Romao. Abdelhamid. Attention, ça peut être dangereux. Ce centre qui n'est pas parti bien loin, contré. Et la voilà, la frappe. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Oui, alors tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Romao.
Marvin Martin. Chavarria. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, elle passe par les côtés. Et le gardien, c'est pas fini. De paille. Quelle est tête. Chavarria. Marvin Martin. Il fait la passe. L'occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est aujourd'hui. Il va peut-être pouvoir égaliser. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Nabil Fekir. Bertrand Traoré. Ah, il est à l'interception. Chavarria. Romao. Ouais, il est bien placé pour centrer. Il ne donnera rien du tout, ce centre, à part une sortie de but. Marvin Martin. Thomas Fouquet. Le ballon qui a filé en sortie de but. Quelle est tête. Bertrand Traoré. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Chavarria. Romao. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. La passe est interceptée. Nabil Fekir. Bertrand Traoré. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Oh, c'est l'interception. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Et on part de l'autre côté. Oh non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Petite analyse, Pierre, sur la première période de Memphis Depay. C'est parfait. Lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Et c'est donc reparti pour 45 minutes. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant.
Romao. Chavarria. Il est sur la trajectoire. Il cherche le premier poteau. Et ce centre qui est capté par le gardien. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Attention, il a du champ devant lui. La bonne interception. Nabil Fekir. Il donne dans l'axe, attention. Arrêt du gardien. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On a décidé de laisser venir l'adversaire, invisiblement. Le ballon dans l'axe, attention. Attention, le centre. Le centre vers ses coéquipiers. Fekir. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Ouais, il s'est pas embêté avec la relance, hein. Boum. Marvin Martin. Thomas Fouquet. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Thomas Fouquet. Le long de la ligne de touche. Ah, dommage, il n'y avait personne. Ouais, le gardien bien présent sur le centre. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Traoré. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Allez, touche pour l'Olympique Lyonnais. On va assister à un remplacement côté Lyonnais, Pierre. Entraîneur qui fait sortir Bertrand Traoré. D'ailleurs. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Dembélé, les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Marvin Martin, oh que c'est bien donné ça. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Le ballon qui file en touche. Du changement Pierre côté rémois. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Le temps qui file dans ce match, la décision n'a toujours pas été faite. Thomas Fouquet. On s'approche de la zone de vérité. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et il dégage. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. D'ailleurs.
Lucas Touzard. Ah, une fin de match au ralenti, vraiment. On ne voit pas trop comment le score pourrait évoluer maintenant. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Un changement normal après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Marcelo. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Ah, la bonne qualité de ses passes. Lucas Touzard. Ah non, c'est interdit de gâcher des occasions comme ça. S'il enlevait ses moufles, ça irait peut-être mieux. Hein. En même temps, il joue avec les pieds. Ouais, c'est pas faux. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. L'arbitre qui met un terme à cette rencontre, qui se termine donc sur une victoire de l'OL. Voilà, la rencontre est terminée, les joueurs qui quittent le terrain avec le masque bien sûr. Pierre, un petit mot sur la performance de Memphis Depay aujourd'hui. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.